le mois de décembre et ce dimanche, 9 avril dernier, le contraste est frappant. En 2019, le duc Andrew était en disgrâce après avoir été accusé d'agression sexuelle et mêlé à l'affaire Epstein. Il avait donc été privé de devoirs royaux, de titres militaires et écarté de la famille royale. Le duc d'York avait également été sommé de prendre ses affaires professionnelles et de les sortir de Buckingham Palace. Le roi Charles aurait aussi interdit qu'Andrew utilise l'adresse du palais pour ses affaires privées, et son équipe de sécurité n'aurait plus été prise en charge par les fonds publics. Il lui avait enfin été demandé de rester en retrait au cours de la messe de Noël, pour ne pas risquer d'être photographié près de la famille royale. Seulement, voilà, il semblerait que de l'eau ait coulé sous les ponts. C'est en tout cas ce que l'on peut conclure lorsque l'on voit la photo relayée par le Daily Mail le 11 avril. On y voit le roi Charles III, accompagné de la reine consort Camilla et du prince Andrew, au sortir de la messe de Pâques célébrée à la chapelle Saint-Georges de Windsor, ce dimanche 9 avril. On pourrait l'interpréter de cette manière, le roi montre qu'il n'y a pas de discorde. Andrew fait encore partie de la famille même s'il n'en est plus un membre actif, a déclaré une source proche de la famille royale au Daily Mail. Pure opération de communication ou véritable volonté de se réconcilier? Point d'interrogation. Une chose est sûre, l'apparition a été remarquée. Photo, Prince Andrew, retour sur son évolution physique. Pourtant, loin des caméras, il semblerait que les relations entre le duc d'York et le roi n'aient jamais été aussi tendues. N'ayant plus la stature et les moyens nécessaires pour résider à Royal Lodge, un manoir de 30 pièces, le prince Andrew a été sommé de quitter les lieux, mais n'a pas voulu se plier aux ordres. Le roi se serait dit fatigué et furieux du refus de son frère, selon des propos relayés par le journal indépendant. Le second fils de la reine Elisabeth II devrait emménager dans le plus petit Frogmore Cottage à la place, un lieu dans lequel résident actuellement le duc et la duchesse de Sussex, qui ont également été priés de plier bagages. Articles écrits en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Dana Press Best Images.